Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 33 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Audrey Dugas. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey, vous êtes donc journaliste à Paris, vous êtes spécialiste du cinéma indien et vous animez aussi le podcast Kitsch Party qui explore la société indienne à travers son cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit pas de côté pour évoquer une série indienne. Alors Audrey, quelle est cette série que vous voudriez évoquer avec nous ? Alors, cette série, c'est Sacred Games, donc en français, Le Seigneur de Bombay. C'est la première série indienne qui a été produite par Netflix. Elle est adaptée du roman éponyme publié en 2006 par l'auteur Vikram Chandra. Et c'est l'histoire croisée de deux personnages, donc Sartaj Singh d'un côté, un policier moralement affaibli qui doute de son engagement, et de Ganesh Gaitonde, un gangster renommé qui fait son retour à Mumbai après une absence de 25 ans. Donc Ganesh Gaitonde, que beaucoup présumaient mort, va contacter l'inspecteur dont il a connu le père et il va commencer à lui raconter son histoire avant de lui annoncer qu'il a 25 jours pour sauver la ville de Mumbai et de se suicider devant lui. Donc on va alors suivre pendant deux saisons leurs histoires via deux timelines. Donc d'un côté, l'inspecteur Sartaj Singh qui tente de découvrir la menace qui plane sur la ville et de l'autre, Ganesh Gaitonde qui continue lui de raconter son histoire pour que l'on comprenne comment et pourquoi les événements du présent se produisent. Donc chaque segment est dirigé par deux réalisateurs différents. Donc on a d'abord Anurag Teshap, qui est un réalisateur reconnu, hein, notamment pour des films comme Dev D et Gangs of Wassepur, qu'on connaît beaucoup en France hein, parce qu'il a été présenté à Cannes. Et dans la saison 1 seulement, parce qu'après ça change de réalisateur, on a Vikramaditya Motwan, donc scénariste aussi sur Dev D et producteur de films acclamés en Inde comme les films Queen ou Uta Punjab. Donc, on va retrouver dans la série, évidemment, beaucoup de leurs acteurs et actrices fétiches. Le plus marquant, c'est bien sûr Nawazuddin Siddiqui, qui interprète brillamment le gangster Ganesh Gaitonde, parce qu'il avait déjà travaillé avec Teshap sur de nombreux projets, dont Gangs of Wassepur. Alors, Audrey, ce qui est peut-être intéressant pour nous dans Histoire en série, c'est d'essayer de voir, de comprendre comment des fictions permettent d'analyser, de mieux comprendre aussi dans le cas d'une société indienne, pour nous occidentaux, comment elle fonctionne, comment elle s'organise. Alors, les premières questions que j'aurais, ce serait autour des symbolismes que l'on voit dans la série, notamment autour de la religion. Alors, avant cela... Comme moi, j'imagine que de nombreux auditeurs ne sont pas spécialistes de la région en Inde. Alors, est-ce que vous pourriez, vous qui connaissez bien le pays, présenter en tout premier les grands traits de la religion indienne ? Oui, bien sûr, parce que la religion, c'est en fait véritablement le thème central de la série. Hein, elle est omniprésente. On comprend d'ailleurs tout de suite où on met les pieds, hein, parce que les premières questions que pose Ganesh Gaitonde, le gangster et l'inspecteur, c'est « Croyez-vous en Dieu ?» avant d'enchaîner sur « Parfois, je crois être Dieu. » Donc en Inde, cette présence du religieux, elle n'est absolument pas étonnante quand on sait que la religion, elle est absolument partout dans la société et elle a des incidences sur tous les aspects de la vie, que ce soit en politique, au travail, dans la culture, notamment au cinéma, ou dans la vie domestique. Donc en Inde, la religion dominante, ça reste l'hindouisme, qui est à l'origine du système de caste que l'on connaît en France, et au sein de laquelle il existe de très nombreux courants en fonction du culte, rendu à telle ou telle divinité, comme le dieu Vishnu, Shiva ou encore la déesse Durga. On a ensuite d'autres religions, comme le sikhisme, bon, le bouddhisme, si ce n'est pas exactement une religion, le jainisme, le judaïsme ou encore le christianisme. Et bien sûr, il y a l'islam, pratiqué par plus de 14% de la population, qui est la deuxième religion du pays. Donc, dans la série, trois religions vont particulièrement être exploitées, l'hindouisme, le sikhisme et l'islam. Donc, le sikhisme va être exploité via l'inspecteur Sartaj Singh, dont le nom dit d'ailleurs beaucoup. Hein. Singh, c'est un nom de famille qui est très porté dans la région du Punjab, dans le nord du pays, à la frontière avec le Pakistan, et où on peut trouver le temple d'or d'Amritsar, un lieu majeur de pèlerinage pour les sikhs, qui est aussi le centre culturel et religieux de cette religion qui a été développée au XVIe siècle. On a ensuite l'hindouisme et l'islam, qui sont deux religions, donc les deux religions les plus pratiquées en Inde, mais ce sont deux religions dont les relations restent aujourd'hui très complexes, notamment à cause du traumatisme qu'a été la partition en 1947, cette division ethnique du sous-continent indien en deux pays, l'Inde et le Pakistan.
Donc, ce nouveau découpage, on le sait, avait entraîné le déplacement de millions de personnes et des massacres qui marquent encore toujours les esprits, la mémoire collective. Et il faut se dire aussi que cette partition, c'est un événement qui est vraiment récent. Hein. Il y a en vie aujourd'hui de très nombreuses personnes qui ont vécu toutes ces horreurs. Donc, la série, elle va exploiter cet antagonisme qui régit aujourd'hui la politique intérieure indienne, mais aussi sa politique étrangère, parce qu'il y a une véritable guerre froide avec le Pakistan. Et en Inde, si un musulman ose s'exprimer pour se défendre, défendre sa religion ou critiquer le gouvernement, on lui dit sans détour « go back to Pakistan, retourne dans ton pays ». Oui, donc ça, c'est effectivement, quand on regarde Le Seigneur de Bombay, hein, Sacred Games, sur Netflix, on se rend compte très, très facilement de ces instantanés, j'allais dire, de la vie quotidienne indienne, de la place qu'il y a, vous l'avez rappelé, hyper importante de la religion. Alors, il y a tout de suite, moi, quelque chose qui m'a marqué quand on regarde la série, et j'aurais aimé peut-être que vous développiez un petit peu, c'est tout de suite son générique. Oui, le générique, c'est vrai, enfin, c'est vraiment une petite merveille. Hein. Donc, on a différentes images qui vont commencer à composer un mandala un peu coloré sur une musique angoissante qui est rythmée par des voix à la résonance religieuse et plusieurs plans de différents lieux de culte, dont un temple hindou qui est décoré de sculptures du dieu Rama. Donc, le dieu Rama devenu hein, depuis le symbole des extrémistes hindous ou encore le dôme intérieur d'une mosquée. On peut ensuite en fait voir plusieurs célébrations hindoues, donc des images d'archives, des plans d'à peine une seconde qui montrent par exemple les pétards de Diwali, donc la fête de la lumière, ou encore le démon Ravana qui est brûlé à l'occasion des célébrations de Navratri, une fête de 7 jours qui célèbre la victoire, de façon assez simple et résumée, du bien sur le mal. Mais après, les images qui marquent le plus, ce sont les extraits vidéo des événements qui ont bouleversé la ville de Bombay ces 30 dernières années. Donc, on voit tout d'abord un meeting de Rajiv Gandhi, qui fut Premier ministre après la mort de sa mère, que l'on connaît un petit peu plus en France, Indira Gandhi, et lui qui est mort assassiné en 1991 après sa politique de répression contre les indépendantistes tamouls du Sri Lanka. Donc, alors attention, Rajiv Gandhi, on peut se dire, attention, lien avec Gandhi, etc. Mais non, mais c'est le petit-fils de Nehru. Donc, il a quand même un lien très fort avec la politique indienne et son histoire. Ensuite, au fur et à mesure que le générique avance, si on connaît un petit peu l'histoire de l'Inde, on comprend vraiment quelle importance va avoir la religion dans la série, parce qu'on va avoir des vidéos d'archives de l'événement qui a marqué véritablement l'Inde dans les années 90, la destruction de la mosquée de Babri Masjid et des attentats et émeutes religieuses meurtrières qui ont touché Bombay en 1993 suite à cela. Alors, vous venez de l'évoquer, Audrey, hein, il y a aussi un élément très important qui rappelle, qui est clé aussi dans la culture indienne, c'est le mandala que l'on voit omniprésent dès le générique. Oui, parce que c'est le logo de la série et chaque épisode, en fait, va être illustré par un mandala différent. Donc, les mandalas, dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce sont des formes géométriques qui servent à célébrer des rites ou à méditer. C'est une sorte, en fait, de carte de l'esprit pour s'orienter. Chaque mandala est une représentation, une projection géographique de l'univers, un microcosme qui sert de réceptacle à diverses divinités. En Inde, on va trouver beaucoup de mandalas dessinés par exemple à même le sol, des rangolis, ou des mandalas appelés des yantras, donc des mandalas qui représentent un aspect particulier du culte hindou, une divinité ou un mythe particulier qui va contenir de grandes forces ou de grandes énergies. Donc, dans la série, les mandalas sont omniprésents, vous l'avez dit. Chaque épisode est illustré par un mandala différent en rapport avec l'histoire et le titre de l'épisode. Donc, on les retrouve aussi au sein même de la série parce qu'ils vont être une clé majeure pour comprendre la menace qui pèse sur Mumbai. L'inspecteur Sartaj Singh en découvre plusieurs pendant son enquête, ce qui va le mener à plusieurs découvertes, un peu comme des pierres que le gangster Ganesh Garitonde aurait semées pour l'aider. Donc, l'origine de ces mandalas, elle est expliquée plus tard au cours de la saison 2. Ils sont en fait liés à celui que Gaitonde appelle son troisième père, Guruji, le chef d'un ashram d'une secte obscure qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la secte fondée par Bhagwan Sri Rajneesh, dont l'histoire a été racontée dans le documentaire Netflix Wild Wild Country, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en tout cas, la personnalité par exemple de Mahanand Shila, bras droit de Rajneesh, semble avoir d'ailleurs inspiré directement le personnage de Bhatia dans la série, une jeune femme interprétée par l'actrice franco-indienne Kalki Kolka. Oui, effectivement, ça permet aussi ce documentaire, comme vous le soulignez, permet de
d'approfondir, j'allais dire, sa culture de la vie en Inde, de la vie religieuse en particulier en Inde, très intéressante, disponible sur la plateforme Netflix. Alors, j'aurais aimé aussi maintenant peut-être qu'on analyse le nom qui est choisi pour chaque épisode, parce que c'est une des spécificités de la série. Certaines séries le font, d'autres ne prennent pas la peine de donner un nom particulier. Alors là, par contre, chaque épisode a un nom très spécifique. Oui, le titre de chaque épisode va être une référence à un mythe religieux et va du coup être annonciateur de certains éléments de l'histoire à venir. Donc, ils peuvent être tirés tout d'abord de la mythologie hindoue. Donc, le premier épisode s'intitule, par exemple, Ashvatthama, ce qui fait référence à un légendaire guerrier dans le Mahabharata, un des principaux textes sacrés de l'hindouisme. Donc, Ashvatthama, c'est un avatar du dieu Shiva qui est immortel et dirige les simples mortels. Il est cependant l'objet d'une malédiction et il assiste à la mort de tous ceux qu'il aime. C'est une façon d'introduire le personnage de Ganesh Gaitonde, qui lui aussi détient un certain pouvoir sur ses pairs et se considère l'égal de Dieu. Et comme Ashvatthama, lui aussi devra tout au long de la série assister à la mort des personnes qu'il a aimées jusqu'à mettre fin à ses jours. Donc dans la saison 2, les mandalas et les titres ne sont plus seulement tirés de l'hindouisme, donc ça va évoluer. Le sixième épisode, par exemple, va faire référence à une autre culture. Donc, on va avoir l'épisode nommé Azrael, donc il y a un ange de la mort chez les musulmans, les juifs et les sikhs. Et les deux derniers épisodes de la série vont ensuite dévier de cette symbolique religieuse, donc sans pour autant s'en éloigner, évidemment. Donc, on va avoir, par exemple, l'épisode Radcliffe, qui fait référence à la Radcliffe Line, considérée comme la frontière à l'époque qui allait séparer l'Inde du Pakistan en 1947. Ou encore l'épisode Torino, donc Turin en français, qui renvoie à la ville italienne. Alors, ce dernier point, il peut paraître un petit peu étonnant, hein, parce qu'on passe tout de suite en Italie. Pourquoi ? En fait, ça s'explique assez facilement parce que la ville été construite à la confluence de deux rivières, le Po et la Dora, qui forment un Y. Donc, cette forme est dite représentée dans la légende de la ville, dans la mythologie de la ville, la dualité du bien et du mal en l'homme, ce que vont justement expérimenter à la fin les deux personnages principaux qui vont devoir prendre des décisions difficiles et complexes. Donc immédiatement, donc avec tout ça, hein, les mandalas, le générique, les titres, on est immédiatement plongé dans un monde qui est régi par la religion, une religion qui a infiltré vraiment toutes les strates de la vie politique, tous les mœurs et toutes les relations des hommes, donc au bien et au mal. Alors oui, justement, André, hein, moi, ce que je trouve intéressant, surtout par rapport à nous, occidentaux, peut-être même français, qui sommes dans une société sécularisée, laïcisée, il y a une imprégnation jusque dans la vie quotidienne, les moindres faits et gestes, l'espace aussi, imprégné par la religion. Alors, j'aimerais essayer de comprendre avec vous, que vous peut-être nous décortiquiez un peu tout ça, en voyant le côté mystique et spirituel qui est vraiment, véritablement au cœur de cette série de deux saisons. Alors, peut-être commencer par certains qui pourraient rejeter un petit peu, perdre la foi, perdre leurs illusions par rapport à la religion et donc être en marge de la société. Oui, parce qu'en Inde, on est vraiment dans un monde où tout est lié. Il ne peut pas y avoir une strate sans l'autre. C'est pourquoi on part en fait d'un scénario qui est vraiment très commun, hein, très simple. Un policier qui enquête pour contrer une attaque qui menace la souveraineté de son pays, pour évoluer vers un questionnement beaucoup plus large autour de la place de la religion et des croyances dans la société indienne. Donc la vie des deux personnages, elle est naturellement auréolée d'une certaine aura mystique et leur foi, vous l'avez dit, donc elle va être très instable. Donc c'est notamment le cas du personnage de Ganesh Gaitonde, un personnage qui est très complexe. C'est vraiment la première chose que l'on remarque d'ailleurs, hein, il est nommé d'après le dieu à tête d'éléphant, Ganesh, et c'est loin d'être un hasard. Parce que Ganesh, en effet, c'est le dieu qui met en relation l'humain et le divin, les choses matérielles et les choses sacrées, qui place ou retire les obstacles de notre destin. Il est vénéré par plusieurs religions, donc par les hindous bien sûr, mais aussi par les jains ou les bouddhistes. Dans les premiers épisodes, Ganesh Gaitonde, il méprise vraiment la religion à cause de son père, donc un prêtre hindou faible, obligé de mendier pour nourrir sa famille. Mais il pense toutefois, plus l'intrigue avance, être l'équivalent d'un dieu et même d'avoir toujours été dieu. Donc, d'ailleurs, Gaitonde s'assimile techniquement à un dieu. Hein. Il absorbe le pouvoir de ses ennemis déchus, hein, donc il tue, il règne sur son royaume, mais il comprend quand il appelle Sartaj Singh, lors du premier épisode, qui marque la fin de sa vie, qu'un dieu est faible. Donc il est fait et défait par ceux qui le vénèrent. La religion, véritablement, est un monstre qui consume autant qu'il peut donner. Donc cette relation à la religion, elle va devenir ensuite différente, un peu plus forte, parce qu'il va être impliqué en politique et donc évidemment plus dans la religion quand il rentre dans le jeu des extrémistes hindous pour affirmer son pouvoir.
Donc, il va tuer, par exemple, de sang-froid un membre musulman de son gang, son propre ami, après avoir été trahi par le frère de celui-ci. Et il fait de Bounty, un jeune homme violent qui hait l'islam, son bras droit. Donc, personnellement, Ganesh Gaitonde, lui, il n'a rien contre les musulmans. Hein. Ces attaques, elles ne sont que le résultat d'une rivalité avec un autre gang dont les membres sont musulmans. Donc, c'est pour lui plus une opportunité qu'autre chose. Donc, une rivalité, somme toute, extrêmement tragique hein, pour la communauté musulmane, car ça va se transformer au fur et à mesure en véritable pogrom, ce qui est un petit peu d'ailleurs une métaphore de ce qui s'est passé en Inde dans les années 90 et qui continue de se passer aujourd'hui. Mais alors, Ganesh Gaitonde, plus il avance, plus il va se demander si véritablement il est Dieu. Il va tomber ainsi sous l'influence d'un gourou qui, pendant un temps, va lui laver le cerveau avant qu'il reprenne le pouvoir en le tuant et en hurlant que lui est le seul dieu possible dans une scène de délire psychédélique où il est sous drogue. Donc, il le dit, il l'affirme, il est véritablement dieu. Il gouverne, il fait régner la peur, son gang lui voue une vénération sans faille, il a le pouvoir de vie et de mort. Alors, pour l'inspecteur Sartaj Singh, le cheminement est assez différent parce qu'au départ, c'est un homme qui est profondément religieux. Il est sikh et il ne peut pas vraiment se défaire de cette identité pour se fondre dans la masse parce que les sikhs ont plusieurs signes distinctifs. Donc, par exemple, ils n'ont pas le droit notamment de se couper les cheveux et ils doivent porter un turban, donc aussi appelé dastar, qui fait partie des 5 symboles qu'un sikh doit porter ou arborer. Donc, on retrouve aussi parmi ces symboles le kara, un bracelet de fer qui est symbole de la foi et de l'attachement à Dieu. Donc, dans la première saison, Sartaj Singh, il est ainsi très pieux, même si absolument rien ne va dans sa vie, hein, entre la fin de son mariage et un travail de policier miné par la corruption et l'omerta. Donc, il ne va pas comprendre au premier abord Ganesh Gaitonde, qui tente de lui expliquer sa vie et ses motivations. Donc, il semble véritablement être l'opposé l'un de l'autre. Mais plus l'enquête avance, plus l'inspecteur va devoir faire des choix qui mettent à mal sa conscience et sa foi va être ébranlée. Dans la saison 2, on assiste donc à une véritable implosion de toutes ses croyances, parce qu'il comprend que en fait, le jeu dans lequel il est entré ne peut avoir absolument aucun gagnant. La société indienne elle est rongée par la haine communautaire et n'arrive pas, depuis 1947, à guérir de ses traumatismes. Il réalise notamment que son père, qu'il admirait tant, c'est un exemple moral hein, pour lui qui l'avait poussé à entrer dans la police, avait été un proche de Ganesh Gaitonde au sein d'une secte, donc c'est un véritable bouleversement. Et la fracture est finalement définitive lorsqu'il jette son kara, son bracelet sacré, à la mer et qu'il insiste, impuissant, au lâchage sanglant d'un jeune musulman après une partie de cricket qui a mal tourné. Donc, à la fin, les deux personnages perdent leur foi. Il n'y a jamais eu véritablement de dieu juste. Donc, aucun ne va être mieux que l'autre. Ils vont tous les deux prendre des décisions tragiques. Donc, dans ces jeux sacrés, ces sacred games, il n'y a pas de règles. Une morale qui est de plus en plus malléable et qui va devenir extrêmement intenable, en fait, parfois face à des choix complexes et des religions très aliénantes. On peut aussi retrouver d'ailleurs une forme de karma hein, dans ces destinées. Les deux personnages ont un sort qu'ils n'ont, disons, pas mérité, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal hein, dans la série, mais un sort, un destin qui semblait s'écrire de façon irrévocable depuis leur naissance, depuis le début de la série. Alors oui, effectivement, Audrey, hein, c'est, vous le rappelez très très bien, c'est une société qui peut paraître désarçonnante de par le poids de la religion sur le quotidien, sur les choix des gens, sur aussi la façon de porter des signes ostentatoires. Hein, vous rappelez les signes que portent les sikhs et effectivement, cela montre la grande part de visibilité de la religion. Alors vous avez évoqué un mot tout à l'heure qui peut nous paraître à la fois repoussoir ou peut-être inconnu en Europe, c'est le mot de gourous, avec ces gourous qui ont un pouvoir d'attraction important. Alors, rappelez-nous peut-être ce que sont les gourous et qu'est-ce qu'on peut en voir dans la série. Oui, alors en fait, un des personnages centrales pendant la saison 2, ça va être un gourou. Alors, son destin, il n'est pas très clair au départ, mais on va comprendre tout de suite le pouvoir qu'il détient sur ses disciples, des disciples qu'il manipule à son aise et dont certains sont même clairement des hommes de main. Donc, ce gourou, dans la série, il prône en quelque sorte un changement d'air. C'est-à-dire que dans l'hindouisme, il y a 4 ères, qu'on appelle les 4 yugas. Et selon lui, nous sommes dans le Kali Yuga, mais pour atteindre donc une certaine ère, une nouvelle ère pour l'homme, il faudrait atteindre le Satya Yuga, une ère dominée par les dieux et la vérité. Donc, son pouvoir d'influence est immense. Il va complètement s'approprier Gaitonde en le soumettant indirectement à une torture physique et morale avant de se faire passer pour son sauveur. Il détient donc un pouvoir au sein de la police, du cinéma, des instances politiques et commerciales qui lui permettent d'ailleurs, par exemple, d'organiser un gigantesque trafic de drogue.
Donc, tous ces pouvoirs détenus par un gourou, c'est vrai. Donc, c'est une personne rattachée au religieux. En France, ça peut vraiment étonner, mais en Inde, c'est assez commun. Il n'est pas rare qu'un homme ou une femme politique fasse appel à ses services pour s'assurer, par exemple, la réussite. Dans la tradition hindoue, le roi était d'ailleurs toujours accompagné d'un homme religieux, un brahman, qui faisait partie de la caste la plus haute et qui était théoriquement, en quelque sorte, son cerveau, son conseiller spirituel. Donc, ces dernières années, certains ne se sont d'ailleurs pas du tout cachés en Inde, comme par exemple la première ministre Indira Gandhi, qui avait une relation très publique avec ses gourous pour conforter ses positions politiques et sa légitimité. Donc, il y avait énormément de mise en scène de rencontres avec ce gourou, enfin, de bénédictions qui étaient filmées, photographiées. Et un d'eux, par exemple, un de ses gourous, parce qu'il en avait plusieurs, donc un de ses gourous, Brahmachari, était par exemple toujours à ses côtés et était même surnommé Rasputin, tellement il avait une influence sur elle. Donc, il conduisait d'ailleurs une belle voiture, il avait un jet privé offert par de généreux disciples. Donc, il ne se cachait absolument pas de cette relation avec la première ministre. Oui, effectivement, vous l'avez dit, hein, ce qui peut paraître désarçonnant, surtout dans une société sécularisée depuis la loi de 1905 en France sur la séparation des églises et de l'État, hein, c'est véritablement l'implication que pourrait avoir la religion sur la société. Et en Inde, c'est véritablement, les deux sont hyper liés. Alors, justement, l'objectif d'Histoire en série, c'est de comprendre à travers les séries comment fonctionne une société. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, Audrey, sur le fait que la religion peut être un vrai instrument politique? Alors, en fait, la série, ce qu'elle va montrer, ce qui est très intéressant, hein, parce que c'est vrai qu'au cinéma, ça reste encore très limité en Inde, à cause notamment de la censure, mais la série, elle va montrer la politisation extrême de la religion qui a été entamée dans les années 80 et le début d'un fanatisme religieux qui fait encore aujourd'hui des dégâts très importants dans le pays, avec une polarisation hindou-musulman et l'ascension au pouvoir des membres du BJP, un parti nationaliste dont aujourd'hui est issu Narendra Modi, le premier ministre. Donc, l'idéologie du BJP, elle est très simple et se base sur ce qu'on appelle l'hindutva, l'idée selon laquelle pour être indien, il faudrait être hindou, il faudrait recréer l'Hindoustan, l'espèce de pays fantasmé qui n'a jamais véritablement existé. Donc, cette idéologie ethnique, elle a été théorisée pour la première fois en 1923 avant d'être reprise par le RSS, un mouvement paramilitaire nationaliste qui a été créé en 1925 et dont le BJP est aujourd'hui l'organe politique. Donc, les partisans de cette idéologie, ils se voient comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays et affirment notamment que le mouvement du djihad envahit l'Hindoustan. Donc, leur violence serait une réponse à cette invasion. Donc, c'est ce qui s'est passé, hein, par exemple, lors de la destruction de la mosquée de Babri Masjid à Ayodhya, donc, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, qui est vraiment un événement déterminant dans l'histoire de l'Inde et donc aussi dans la série. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, en 1984, des nationalistes hindous ont affirmé que le lieu où a été construite cette mosquée est en fait le lieu de naissance du Rama. Donc, après une dizaine d'années de campagne, la mosquée est finalement détruite en 1992 au cours d'un rassemblement politique du BJP, ce qui a donné lieu à près de 6 semaines d'émeutes intercommunautaires très violentes dont la série témoigne. Donc, cette islamophobie, cette violence structurelle contre les musulmans, elle est très présente et on le voit particulièrement bien dans la série avec l'instrumentalisation des enjeux communautaires par les partis. Donc, déclencher des émeutes et attiser la haine hindou-musulman, c'est une façon très simple de gagner des voix aux élections. Et c'est une instrumentalisation qui est facilitée aujourd'hui, depuis 2000 ans en tout cas, par le sentiment anti-musulman qui s'est répandu un petit peu partout dans le monde. Donc, par contre, on le voit dans cette série, cette islamophobie, elle entraîne parfois des comportements assez paradoxaux. Donc, il y a en Inde, vraiment, rien n'est noir, rien n'est blanc, c'est toujours très, très gris. Donc, par exemple, le collègue de l'inspecteur, qui s'appelle Katekar, c'est un personnage extrêmement attachant malgré ses failles. Il ne cache pas, par exemple, son mépris des musulmans, mais va, par exemple, idolâtrer une actrice de Bollywood d'origine pakistanaise, ou encore, il refuse pendant plusieurs épisodes de prendre la déposition d'une mère éplorée qui cherche son fils parce qu'elle porte une burqa avant de se raviser et de devenir plus humain, donc d'évoluer. D'un autre côté, l'islamophobie, elle est tellement présente que cela pousse certains à mettre de côté leurs valeurs pour s'intégrer. C'est notamment le cas d'un autre collègue de l'inspecteur, Majid Ali Khan, qui tente de faire oublier son nom, très musulman, en acceptant absolument tout de son supérieur, c'est-à-dire qu'il va mentir pour lui devant la justice et espionner à son compte. Donc, on a vraiment une hindouisation assez hypocrite, hein, de la société, si on peut dire, qui s'illustre aussi dans les séries télévisées mythologiques qui inondent depuis les années 80 les chaînes nationales indiennes.
donc la plus emblématique, elle s'appelle Ramayana. Ça a été une des premières qui a été diffusée en 1987-1988. Elle a été diffusée en fait donc en pleine campagne pour raser la mosquée de Bebrimaji. Et on a donc vraiment cette série extrêmement populaire qui raconte l'exil de Rama de son lieu de naissance à Ayodhya, dont il a été chassé. Donc à l'époque, c'est vrai que pour les extrémistes hindous, c'était vraiment très commode. Cette série, en plus, elle a été rediffusée cette année pendant le confinement et les audiences sont encore explosées, ce qui montre vraiment l'attachement qu'il y a à cette mythologie hindoue. Il y a d'ailleurs dans Le Seigneur de Bombay une certaine parodie, une certaine critique de ce genre de soap-opéra religieux à travers l'histoire d'une jeune actrice et ancienne escort girl qui va incarner le rôle d'une déesse dans une série mythologique très similaire. Donc cette série, elle est produite par un bras droit de Ganesh Galitonde, Bounty, qu'on a déjà évoqué un petit peu plus tôt pour sa haine violente des musulmans et qui considère en fait la jeune femme comme sa propriété. Il lui fait jouer un rôle plein de valeurs morales et religieuses, mais il n'hésite pas, quand il est en coulisses, à en faire véritablement sa chose. Donc, c'est vraiment très révélateur des paradoxes et des tares qui prospèrent dans la société indienne aujourd'hui. Alors, justement, Audrey, par rapport à tout ce que nous avez dit là, est-ce qu'il y a des choses très importantes à comprendre aussi, peut-être, le fonctionnement politique de l'Inde à travers la série ? Alors oui, au niveau politique, on en apprend surtout beaucoup au cours de la saison 2, parce que ça va vraiment devenir central. Donc on va notamment évoquer la guerre froide qui oppose l'Inde au Pakistan et qui va être manipulée en fait à des fins religieuses. Mais c'est vrai que je ne peux pas en révéler énormément parce que ça gâcherait un petit peu la fin. En fait, ça révélerait une grande partie de l'intrigue et c'est vrai que c'est un tout autre angle. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant 30 minutes de tout ce qui est dit politiquement dans la série, tellement c'est énorme, mais c'est vrai que je préfère garder ça pour une autre fois. Oui, merci. Effectivement, ce qui, je pense, est à retenir sur cette idée, vous nous avez présenté la société indienne à travers la religion et c'est un axe, je trouve, un angle d'approche très important pour nous, surtout pour comprendre l'Inde. C'est l'idée aussi que Sacred Game, c'est une série qui n'est ni blanche ni noire, où on voit, j'allais dire, en technicolore, en multicolore, une société qui est déjà très colorée elle-même, bien sûr, mais qui, où il y a beaucoup de paradoxes et des paradoxes qui peuvent paraître très désarçonnants pour nous, occidentaux en tout cas, pour nous, français, quand on se l'approprie. Alors là, l'avantage aussi, c'est que c'est une série qui est indienne, qui est tournée en Inde et qui est diffusée sur une grande plateforme mondiale comme Netflix. Donc, c'est, je pense, je ne sais pas ce que vous allez me dire, vous, Audrey, une excellente porte d'entrée pour comprendre l'Inde d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. C'est vrai que Netflix et Amazon, d'ailleurs Amazon Prime, ils ont beaucoup investi ces dernières années dans les productions indiennes. Et on a vraiment donc des séries et des films de qualité qui permettent un peu plus de comprendre ce qui se passe dans ce pays, qu'on a tendance encore à beaucoup fantasmer en France. Et ça permet vraiment d'avoir des codes qui auparavant nous manquaient. Parce que c'est vrai que, par exemple, le cinéma indien, jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas très diffusé en France parce qu'il nous manquait évidemment beaucoup de connaissances. Et je pense que ça peut être vraiment, comme vous le dites, une porte d'entrée pour le public occidental. Oui, et puis ce que je trouve intéressant, vous l'avez rappelé aussi, c'est qu'on n'est pas sur une série véritablement, j'allais dire, historique ou mythologique, comme vous l'avez dit, mais on est sur une série de la réalité, du quotidien. Et ça, c'est assez intéressant parce que les auteurs arrivent à décortiquer véritablement à la fois le quotidien et l'état d'esprit des Indiens d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que jusque-là, l'Inde, à la télévision, c'est vraiment que des séries mythologiques qui ont été diffusées, donc absolument pas adaptées pour un public occidental tel que le nôtre. Mais on a des réalisateurs de plus en plus qui prennent vraiment en charge donc d'écrire l'histoire de l'Inde sur le plan international et donc de la faire découvrir, de la faire voyager pour que le monde puisse la découvrir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récent et qui est très intéressant parce que je pense que jusqu'au début des années 2000, l'Inde s'était absolument pas intéressée par le fait de s'exporter, culturellement parlant. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans le cadre aussi de la mondialisation. Et c'est quelque chose qui, je pense, va avoir un impact très intéressant et très important dans les années à venir.
Oui, et puis il ne faut pas oublier aussi qu'à l'instar du cinéma indien, de Bollywood, on est sur une, j'allais dire, une référence culturelle très importante dans le monde oriental. Les films indiens, voire les séries indiennes, sont très vus dans le monde oriental. Et Le Seigneur de Bombay, c'est des millions de téléspectateurs. Donc on est sur une série largement diffusée, peut-être moins connue de nous occidentaux, mais en tout cas en Orient, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on pourrait qualifier de blockbuster. Ah oui, complètement. C'est une série qui a eu un énorme succès, hein. Mais aussi un succès occidental. C'est vrai que pour la première fois, il y a plusieurs médias français, donc médias presse écrite, radio, même un petit peu télévision, qui ont parlé de cette série. Donc c'est vraiment une première, parce que d'habitude, tout ce qui sort de l'Inde, c'est vrai que ça reste assez confidentiel en France et en Europe. Donc c'est vraiment une série, donc qui est en plus la première produite par Netflix, qui a été déterminante en fait. Et donc il y a plusieurs autres séries qui ont été produites depuis par Netflix, donc d'autres séries indiennes, plusieurs films, donc plusieurs projets, hein, qui sont en cours, notamment avec de grosses boîtes de production indienne, des superstars locales. Et c'est vraiment quelque chose qui est déterminant, je pense, pour l'avenir de la culture indienne. Bien, j'espère en tout cas, Audrey, que vous reviendrez dans une prochaine émission, peut-être, pour nous présenter ces autres séries qui sont développées, hein, par Netflix. C'est aussi intéressant parce que vous avez parlé de mondialisation, mais on est ici aussi dans l'idée d'aller voir ailleurs et de diffuser à un public de plus en plus large ces séries qui permettent à la fois de voyager, mais aussi de comprendre la société. Et c'est ce que nous, dans Histoire en série, on voudrait faire. Donc, Audrey, je rappelle que vous nous avez donné une bibliographie pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et connaître la société indienne, que l'on mettra sur le site internet et sur notre partenaire nonfiction.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis j'espère que vous reviendrez bientôt, Audrey, pour une autre série. Merci Audrey, à bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.